beaucoup Famina, je vous emmène découvrir ma ville, Fribourg. C'est par ici. Donc on se trouve au café de la Fonderie, qui est au sein de la Fonderie 11, la coopérative. C'est un restaurant qui a été repris par Ben et Léo il y a bientôt une année. Ils font une cuisine créative, assez fine, avec des produits locaux, toujours très frais. Ils ont des menus de dégustation à tomber qui changent toutes les 3 semaines. Si vous voulez passer vraiment une soirée cosy, décontractée entre amis, c'est vraiment un lieu idéal. Alors là, on se trouve à la Chopperie, un espace divisé en 4 avec 4 labels. Donc il y a ici l'espace Graines de Shopping, marque créée par ma sœur. On a Et puis c'est tout, qui a une boutique aussi à la rue Pierre Lévy à Fribourg, où elle crée ses propres vêtements et il y a aussi d'autres vêtements d'autres marques. On a l'espace Kid avec des t-shirts, avec des expressions fribourgeoises. Et puis l'espace Freitag, que j'ai pas besoin de présenter, je pense, Freitag. Voilà. Donc, si on veut quelque chose un peu d'assez spécial pour soi ou pour faire un cadeau, on trouve des choses qui font vraiment plaisir ici. À côté de la Chopperie, on a l'espace Ronde Chute, en fait. C'est une marque qui a été créée par 2 passionnés de voile. Et puis donc ils vendent des sacs, des trousses, des porte-monnaies aussi, tout fait main, juste là derrière. Alors là, on est dans une loge de frisson, la célèbre salle fribourgeoise, qui a eu 34 ans cette année, qui a accueilli des groupes légendaires comme Nirvana, les Beastie Boys, et plein d'autres, qui est un endroit que j'aime beaucoup pour ses concerts. Et puis aussi pour ces soirées, ping-pong, roller, enfin vraiment il y a plein de choses, ça bouge tout le temps ici. Il y a en l'occurrence un événement bientôt à pas rater, c'est le 26 mars, ce sera Artie Scully and the Pussies. C'est une journée avec un marché aux puces, un brunch, de la musique, une bonne ambiance, c'est vraiment cool. Je vous emmène maintenant chez Speedy, parce que simplement ici on peut manger les meilleures pizzas de Fribourg, de Suisse, voire du monde je pense. On y va ? Quel est ton secret? Il n'y a pas de secret en fait. Ça vient tout, c'est toute une question de passion. Quand il y a la pizza, ça veut tout dire ça, pour les gens, la pizza. Non, la pizza c'est comme un autre plat. La pizza, il y a la pizza et la pizza. Donata, merci de nous accueillir dans votre boutique. J'aime beaucoup Bottega Etica pour son atmosphère, je trouve que c'est très chic. Il y a des magnifiques objets, des parfums aussi toujours très agréables quand on rentre dans votre boutique. Tous les objets qui sont ici sont faits de personnes qui sont pas riches, qui arrivent à y vivre, mais qui ont la passion de le faire. Et ça, c'est l'idée. Magnifique. Donc là, on est sur la terrasse du Café du Belvédère, un endroit où j'aime bien venir pour sa super jolie vue sur la vieille ville de Fribourg. C'est toujours sympa de venir, spécialement en été, boire une bière ici en fin de journée. Petit tour chez Atouvrac, épicerie sans emballage, qui a ouvert il y a quelques mois à Fribourg. À l'origine du magasin, il y a d'abord une coopérative, de 10 femmes, qui avons, à la suite du film Demain, c'est de faire quelque chose à notre échelle. L'origine du magasin, c'était aussi de retrouver un contact avec le producteur, donc de privilégier des produits locaux, limiter au grand maximum la masse de déchets. Je crois que tout le monde en a un petit peu assez de ça, et donc c'est vrai que les gens sont contents, ils viennent avec leurs propres bocaux. Alors là, on est à l'Urban Spa, en plein centre-ville de Fribourg, où on peut venir se détendre dans le jacuzzi, les hammams, les saunas, et pourquoi pas profiter d'un massage. Merci pour la balade, moi je vous laisse.